la presse, les musées, les amis qui présentent l'occasion autour de participation des délégations haïtiennes dans la 47e réunion, chef d'État, chef gouvernement, qui a fait dans le pays Grenade. Nous participer pendant 3 jours, 25 à aujourd'hui, dans réunion d'abord plénière qui fait tout et ensuite dans le caucus entre chef du gouvernement et chef d'État. Et plusieurs points qui arrivent du jour. Et particulièrement, pour profiter de cette participation pour nous raffermir position, relation Haïti avec la Caraïbe. C'est-à-dire faire que Haïti puisse intégrer la communauté caribéenne. Ces derniers temps, tu gagnes un petit affaiblissement dans la relation, dans la participation à Haïti. À partir de cette réunion, nous prenons des décisions, par exemple, sur le dossier du système agroalimentaire pour que Haïti participe un peu plus et que déjà les décisions prennent pour que le ministère de l'Agriculture gagne pour le faire une documentation et préparer une position d'Haïti dans le cadre de ce dossier, décision est prise bientôt que ça va le faire. Mais encore, nous avons profité pour que nous ayons le cadre de la discussion qui a fait. Aujourd'hui, il y a un mouvement à travers le monde sur la réparation des injustices causées par la colonisation. Ici en Haïti, à l'Université d'État d'Haïti, il y a un groupe de travail sur le remboursement de la dette de l'indépendance des injustices par la colonisation française, eh bien, nous profiter de CARICOM qui gagnait une commission de réparation pour faire que Haïti vienne membre de la commission ça à travers du groupe de travail au niveau de l'Université d'Haïti qui a transformé en comité national de réparation. D'autres dossiers étaient soulevés tels que les conflits qui existaient actuellement entre Belize et Guatemala, conflits frontaliers. Entre Venezuela et la Guyane, okay, de soulever, et comme c'est le dossier aussi qui portait dans le cas de la Guyane et de Venezuela au niveau qui fait l'objet de négociations. Maintenant, en novembre, il y a encore des discussions entre deux pays, et si ça va arriver, il va au niveau de la Cour internationale. Et la réunion, ça, je veux dire, excusez, la réunion qui se fait dans la. Saint-Georges, un pays brunal, qui permet que nous regardions également l'encadrement apporté par les chefs d'État, chefs de gouvernement de la CARICOM à travers le groupe des éminentes personnalités qui, dans un mandat d'intermédiation en Haïti, te permet de mettre le 11 mars de l'année en cours à la proposition de conseil présidentielle pour la transition après la démission du docteur Ariel Henry comme Premier ministre. Et dans ce sens-là, la semaine prochaine, du 10 au 16, il y a une mission des éminentes personnalités qui a rentré en Haïti pour toujours continuer à garder l'avancement qui a fait la mise en place, ok, organes pour transition, qui commence déjà, qui fait l'objet de décrets comme la conférence nationale avec le comité de pilotage, aussi le travail qui a fait maintenant pour que nous arrivions à mettre en place le conseil, le formulaire, le conseil électoral provisoire. Donc, préparez-nous pour nous accueillir donc cette délégation qui a privé le 10. Naturellement, il y a des dossiers qui, lui-même, concernaient particulièrement le conseil de transition à partir de négociations qui fait de la presse la semaine dernière sur des prétendus comportements de corruption, mais heureusement que dossier allait devant les instances d'État travaillant sur les questions de la corruption qui enquête en cours, donc la laissé librement faire l'enquête ça vous fait et puis arriver à une conclusion. Donc c'est toujours au sentiment d'admiration
devoir de rentrer chez soi. Donc le matin, rentré là, et après-midi, à Soya, je sentis que c'est comme si que j'ai fait longtemps dans les lois et j'ai commencé à sentir. Je suis très content, il m'a dit, je te remercie. Étant donné que nous avons très longtemps, nous avons pu voir encore un comité de presse. Donc, pour donner plus de satisfaction, si il y a deux questions, mais pas plus. Merci. C'est comme si nous avons une question déjà, qui fait que nous directement dit que il y a une instance, une juridiction d'investigation telle que la CC, qui est touchée par l'océan, portée à partir de. Nous avons le conseil d'administration qui est produit là et que nous, au niveau conseil, nous a laissé librement que l'instance UNCC fait l'investigation que vous faites et vous prononcez. Alors, merci parce que vous donnez l'occasion pour que vous saluer le travail que au commandement bien direction police nationale a fait. Nous tentons hier bilan que vous faites de la dernière intervention par rapport à Bandio. Mais féliciter l'autre entité dans la police là, qui est engagée malgré faiblesse en équipement que vous gagnez, mais engagée avec l'appui très fort du Conseil national de sécurité pour finir avec les survivants qui commençait à faire que périmètre autour de, par exemple, en champ de Maslan, à descendre, à pousser, à faire aller bon améa, pour pousser l'eau aller. Et cependant, la dit faiblesse en équipement l'eau, des dispositions qui apprennent au niveau du gouvernement pour combler. Nous regrettons que l'encadrement, le soutien apporté par la mission multinationale pour qu'il n'y ait pas gagné le matériel suffisant pour faire bien. Il y a le personnel en place. Okay? Et ça encore a fait l'objet de discussion avec nos amis de l'international qui nous aident de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus d'accent qui mette sur cet aspect d'équipement. Nous croyons avec la volonté très fermement exprimée au niveau de la direction de la police et aussi le travail qui se fait actuellement pour que nous formaliser okay, la formation du Conseil national de sécurité et permettre de gagner une task force, police nationale, l'armée d'Haïti, okay, déjà dans la réflexion sur la question sécuritaire globalement, mais ensuite dans les décisions qui prennent à travers le plan d'action pour que nous soyons plus efficaces dans l'action contre bandits. Et les promesses pas suffisent, ok. Le peuple a besoin de bagages concrets, c'est-à-dire que le passé matissant descend de la locale, il sent que le cas ni peur ni gagné pour le payer, qui que ce soit, il monte la rue, soit à un en passant par un chocard ou en passant par un livre. Nous croyons qu'avec le travail qui a fait maintenant, la volonté aussi, pour que les partenaires internationaux qui nous accompagnent comprennent les besoins clairs, bien précis, que nous exprimer, ok, et maintenant répondre à ces besoins-là pour rendre plus efficace action et la police et bientôt l'armée locale pour mise en commun de ces défenses. Merci beaucoup.